Aujourd'hui, il aurait eu 12 ans, le fidèle compagnon de toutes mes vidéos. Il aimait bien sortir, sous le vent, sous la pluie, en journée, en pleine nuit, dans les champs, les rochers, mais quand même, à son âge, les plongeons dans la mer, fallait pas abuser pour l'étanchéité. Il grimpait dans les arbres encore plus haut que moi. Quand je disais « poterie », il disait « la boue ». Quelques gouttes de résine, ça le dérangeait pas. C'est pas des petits chocs qui l'auraient arrêté. Et s'approcher du feu, ça lui faisait même pas peur. Il était fait pour l'extérieur. Dehors, il tenait debout, pas comme le petit nouveau, prêté pour terminer le tuto sombrero. Il s'entendait très bien avec mon vieux trépied. Avec le petit nouveau, il a fallu ruser. Lui, pour rentrer plus vite, me montre de grandes images en disant « Tu vois bien, c'est bon, on peut rentrer ». Le petit malin montrait des images toutes petites. On n'y voyait pas trop, on tournait plusieurs fois. Et une fois devant l'ordi, il se moquait de moi. « Hein, que tu vas pas publier ça ?»« Allez, on ressort !» Il était fait pour l'extérieur. Dehors, il voyait bien. Même dedans, porte ouverte. Mais une fois enfermé, il y voyait moins bien. Il était un peu sourd, et même en parlant fort, je comprenais pas toujours ce que j'avais bien pu dire. La prothèse auditive, il en voulait même pas. Alors, c'était pas simple d'enregistrer le son. Du coup, il m'avait dit « Fais plutôt de la voix off ». Quant au look, aujourd'hui, il faudrait pas de boutons. Mais moi, c'est lui que je trouvais beau. Il aimait jouer des tours quand je le chargeais longtemps. Retour en 2007, 1er janvier, minuit. Et la bonne blague plusieurs fois de suite. Oh, le casse-tête! Au niveau vidéo, il était limité à du 640 par 480. Sa façon d'attirer les abonnés acteurs, prêts à sortir dehors avec un petit coup de pouce. Pas les consommateurs, les bouffeurs de pixels, ceux qui face aux matières et même face à la terre, semblent bien avoir fait un vœu de chasteté. Spectateur éternel, dommage. Aussi peu de pixels, c'était vraiment parfait pour notre ami Lordi qui date de 2009. Maintenant, c'est l'avalanche avec le petit nouveau, qui est complètement presbyte à même pas 5 ans. Comment faire mes tutos sans macro vidéo? Heureusement, j'ai trouvé un autre petit costaud. Jamais servi? Le pauvre! Un modèle M-2, 60 euros, d'occasion. Allez, on va sortir. Et si tout ça t'inspire, c'est à toi de choisir d'être spectateur ou d'être acteur.